Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite du let's play sur Zelda de Minish Cap. Oh, la caméra comme il faut. Tac. Ok, donc c'est 15h, j'ai 17h30. Nous sommes donc arrivés à l'île des Minish. Voilà, voilà. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui parle notre langue. Pas ce que tu dis. En fait, nous on comprend très bien, donc tout simplement je vais voir ce que tu dis. Est-ce que tu peux faire quelque chose sur ça? Il va falloir trouver le chef ou un truc comme ça. Ah, ici. Ça doit être ici. Tu as une bien étrange tenue. Oh, tu ne serais pas un humain. Je parle un peu ton langue. Très longtemps des humains parvenus ici. Je suis Festa le prêtre, je m'occupe de le temple qui se trouve juste derrière. Et j'imagine que tu peux parler avec les autres Minish. Va dans la maison en forme de tonneau au sud. Tu trouveras une noble glace. Si tu la manges, tu pourras bien. Tu pourras parler bien le langue des Minish. Ok, ça marche. Dans notre forêt, alors tu arrives vraiment à nous voir. L'ancienne dit que les humains ne peuvent plus nous voir depuis longtemps. C'est incroyable que toi tu y arrives. Salut toi. Tu as sûrement entendu parler des gens qui s'en souviennent de venir hein, depuis qu'ils ont ramassé un fragment sur le bord de la route par exemple. Ce sont en fait des portes de bonheur. Nous autres, on est chez un récord. Rendre les humains heureux en secret, c'est le même que je veux dire. Ok, c'est super. Ah. Je vais aller à la ville pour rendre visite à mon ami qui y habite. Après de nombreux minish, je vis dans la cité d'Yamule. Nous autres minish, nous vivons seulement dans la forêt. Il y a des minish un peu partout dans le royaume d'Yamule. Ok. Alors. Tu as mangé la noble glace. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Je vois. Je ne sais rien au sujet de l'épée, mais plutôt interroger l'ancien. Et le l'ancien. Et où l'ancien? Alors l'ancien, il est là. Ouais. Alors, vous parlez de Minish, vous êtes les bienvenus, restez au temple que vous voulez. Mais nous n'avons pas le temps de nous reposer. Mon père Excello et lui, c'est Wither. Nous voulions lever une malédiction dont a été victime la princesse Zelda. L'épée Minish a été brisée, nous venons vous demander de la reforger. Je vois. Vous voulez donc forger une nouvelle épée sacrée. Et pour cela, vous allez avoir besoin de 4 éléments. Les éléments sont l'essence de la nature naturelle de ce monde. L'épée sacrée ne peut être créée qu'en l'imprégnant de ses énergies. Je vais vous indiquer sur votre carte d'emplacement des éléments. Ok. Donc j'imagine qu'on va tout simplement commencer par l'élément violet.
au nord de notre village. Restant dans cette carte, nous montrerons comment vous y rendre. Et soyez très prudent, le temple est indestructible depuis peu. Venez nous voir. Venez voir quand vous l'aurez trouvé l'élémentaire. Ok. Ok, donc tout simplement commencer par choper cet élémentaire. Salut! Tu veux te rendre au temple, je t'ai pris, c'est par ici. Sois très prudent, il est envahi par des monstres. Ouais, il m'a dit déjà l'autre. Ouais, je suis tout petit. Fuck. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Donc là, je ne peux pas y aller parce que. Voilà. Je suis trop petit et okay, je suis trop petit et l'eau, une simple flaque comme il disait, peut me réduire enfin, et pour moi un lac quoi, tellement je suis petit. Voici donc le temple de la forêt. Il paraît qu'il y a des monstres ici. J'ai un peu, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Bon, à toi l'honneur. Non, attends. Allons-y plutôt ensemble. Ok, ça marche. Ok, donc on peut pousser. Tac, c'est bon. Donc là, on monte. Ok, ça marche. Donc c'est ça qu'il faut que je fasse. Ok, donc ici, on est repoussé par l'étoile d'araignée. Ok. Donc là, on va quand même faire ça. Ouais. Ok, des lignes. Ah, il dégage de la base. Ah, il y a des interrupteurs. Yes. Vous avez obtenu la petite clé, porte fermée, voilà. Voilà, on le sait tous. Ah, ça peut pas te fermer la clé. Oui, mais j'ai déjà la clé. Quel imbécile. Ok, donc là, il y a l'eau, je ne peux pas y aller. Ok. Donc il faut simplement que j'active. J'ai l'impression que je peux tirer sur cette espèce de poignée. On va pas me mettre en arrière, enfoncer et appuyer sur... flèche du bas pour ok, donc c'est dire si je vais en bas, qu'est-ce qui se passe? Ça crée un pont. Ensuite ça, et qu'est-ce que ça fait ça? Ah d'accord, ok. Je pouvais pas tout simplement pousser ces blocs. Si. Ok, allons-y. Alors nous avons ici un truc qui descend, un monstre ici. C'est ce qu'on appelle se faire victimiser dans le milieu. Il est quand même grand ce tonneau. Ah non, j'avais oublié, ce n'est pas le tonneau qui est grand, c'est nous qui sommes petits. Eh ouais mon gars. Ah, il fait des espèces de trucs qui ralentissent. Donc là il s'est passé un truc. Le tonneau s'est démis. D'accord, le tonneau s'est démis de du truc à droite. Alors, actuellement on va monter là, il n'y a rien. Ok, donc on va aller dans le tonneau. Ok, donc il y a encore à nouveau ces monstres. Aïe. Ah d'accord. Ah j'ai fait du caca. J'ai fait du caca.
Ah si je fais ça, est-ce que je peux le... Yes. Donc là du coup il va tourner le machin. Dans la logique des choses. Allez-vous-en. Je sais pas comment on les tue. J'ai vu le tonneau bouge. Ok. Fuck. Comment je fais pour aller là-haut? Ah c'est terrible! Comment je fais? Ah comme ça je pense. Voilà voilà. Donc là il y a une porte que je ne peux pas utiliser. Donc là il y a ça qu'on peut pousser. Et ici il y a un truc que je ne peux pas utiliser non plus. Donc ça servait strictement à rien que je vienne ici. Ici il y a une toile d'araignée. Voilà. À mon avis, tac, on va avoir un objet ou quelque chose comme ça. Donc là, il faut descendre. Voilà. On va avoir un objet, je pense, qui va nous permettre de faire du feu ou... Ah, fuck. Ah, fuck you. Donc, ce cube, on ne peut pas le... Ah, ça, ça ralentit, en fait, c'est chiant. On peut pas le pousser, d'accord, très bien. Ok. Vous avez trouvé la carte du jeu, consultez-la, aux endroits en bleu sont ceux que vous avez déjà visités, l'endroit est... Ok. C'est une carte, quoi. Donc là en gros si je le pousse juste ici, hop, je me déplace que ici. Donc ensuite ça, d'accord, très bien. Ça je ne peux pas m'y rendre actuellement. Donc allons-y, par là. Ok, donc si je fais ça, ça active un pont. Faut trouver quelque chose posé sur cette dalle. Ouais ouais. J'ai fait une connerie en fait. Tac. Il fallait pas que je le prenne. Moi je pensais qu'en le prenant je pouvais le reposer, mais non en fait il faut que je le pousse. Voilà. Il revient. Hein. Hop. Voilà. Hop. Ok. Je vais taper un truc. Pourtant, tu peux déplacer certains objets. Attrape-les avec R. Ok. Ok. La petite clé. Hop. Ah yes. Je pensais que j'allais me faire avoir, mais non. Et donc ici, il y a un quart de cœur, faut surtout pas que je l'oublie. Et que je trouve comment le choper. Ça là, c'est toute cette histoire de... Là en fait il y a un truc là, mais... Comment je peux faire pour le choper? Comment je fais pour les tuer? C'est ça le truc.
Donc avant d'aller là-bas, il y a des choses à faire ici. Hop. Je pars pas ça mon rubis moi. Ok, donc nous avons ici ceci. Ah d'accord. Donc il faut que je fasse ici. Et puis je le pousse tout simplement jusqu'à arriver en butée. Hop. Ok. Ça c'est du boss. Petite clé, tac tac tac, tu vas pas me le dire à chaque fois. Ok, on se retrouve. On se retrouve ici. Hop. Yes, c'est bon ça. Donc nous avons soit le chemin à gauche, soit le chemin en haut. Donc là on est au premier sous-sol, ça nous fera arriver ici. Donc là on va aller par la gauche. Ah fuck. Ah. Ça ouvre la porte. D'accord. Donc pour moi ici, à mon avis, il n'y a rien du tout en fait. Il va falloir trouver un moyen. Ça nous part, laisse-moi. Oh, pas mal les musiques. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on débloque? Vous avez trouvé un pot magique. D'accord. Alors. En fait, moi, je préfère... Hop, comme ça. Alors, deux petites secondes.
Alors du coup si je fais ça... Pas mal. Je sais pas pourquoi je fais ça mais... Je fais le ménage. Ah d'accord. Et après tu lances un gros truc. Yes! Du coup ça va me permettre de... Okay, très bien. Nickel. C'est bon ça. Donc là j'imagine qu'il doit y avoir une astuce. Ça va faire monter un truc ou non? Okay. D'accord. Très bien. La surprise, vous ne savez pas quand ça sert. Mais on les a trouvés. Un téléporteur. J'ai tout son pollen, après il devient blanc et après on le défonce. Et là. Ok, donc il y a un téléporteur, mais on ne sait pas encore exactement où est l'autre partie du téléporteur. Yes! Je sais pas quoi ça sert ces coquillages mais j'en ai déjà 30. Ok donc là on va... aller dans le tonneau. Voilà bien un métier, il faut qu'on trouve un moyen de les déplacer. Alors je sais pas où je vais là. Mais ce qui est sûr c'est que j'y vais. Fuck you. Ok, on va commencer par aller là avant de changer de zone. Ok, donc ici il faut une petite clé. Ok, allons par ici.
faire quelques trucs. Ça, on le casse pas. Alors, je suis pas con, moi, par exemple. Ah, nom de Dieu. Allez, qu'est-ce qu'il y a en haut? On va commencer par aller là. Et tu prends ton two-shot. Ok. Il a trouvé la boussole. Ok, donc. Ici il y a un coffre, à gauche là-bas il y a un coffre. Ah oui, mais il fallait une clé. Alors on va peut-être l'avoir la clé là. Là on est au 2 SS, d'accord. Donc au rez-de-chaussée c'est là où se trouve le boss. Ok. Ah! Vachement mal passé la feuille. Oh mon Dieu. Yes. Allez, on est reparti. Ça fait peur lui. Allez, on va récupérer le coffre. Bien wesh. Ah ouais. Faut que je mette genre là. La clé du boss. Ouais. Ok. Ça va nous amener au quart de cœur. Yes. Plus qu'un. Alors, il nous reste un coffre sur la droite là. Et après, il y a la salle du boss, bien entendu. Hop. Ok, bon, on a eu tout le nécessaire qu'il y avait. Yes. Qu'il y avait dans ce donjon. Par contre, je ne suis pas descendu ici, alors je vais juste checker un coup qu'est-ce qu'il y a là-bas. D'accord, ça m'amène ici en fait, donc j'ai fait un putain d'énorme détour. De toute façon, je crois que j'étais obligé avec la plante. Les coquinous.
On se casse de là, on revient au début du donjon. Hop. Et voilà. Donc, il y a une clé quelque part. Il y a un coffre quelque part. Un SS, donc on a tout fait. Ah non, il n'y a pas de coffre, donc le coffre il est juste au rez-de-chaussée. Bah écoutez, on va. Ah ouais, mais j'étais bête, en fait le coffre était à. Ouais, bah c'est bon. En fait, c'est bon, c'est bon. On a juste à faire ça. Ah, il s'ouvre pas. Ah là 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 là. Je trouve que ça va être des coquillages encore. Je sais pas quoi ça va servir, mais on verra bien. Peut-être que c'est pour acheter des objets. Est-ce que je vais pouvoir sortir de cette merde? Ah. Fuck. Je croyais que j'allais passer. Yes. Là on va récupérer au masque de cœur. Vu qu'on les a full. Ok, donc on va sauvegarder. Et on va ouvrir. Et c'est parti. Le boss. J'imagine. Ça va être ça le boss? C'est merde là que j'ai explosé tout à l'heure là. Ah ouais, ça va faire une grosse bouboule. Allez, je le bombarde, qu'est-ce qu'il y a? Oh merci. Allez. Qu'est-ce qu'il y a mon gars? Je défonce. Allez le baleineau. Allez, défonçage. Est-ce qu'on y vole plutôt facile? Assez facile à comprendre comment le défoncer. Et nous avons la première essence. Génial. Génial. Oh c'est génial. C'est l'essence de la force de la terre, mère de toute chose. Yes. Mmh.
Allons-y. Allons vite prévenir l'ancien qu'on a trouvé l'élément de la Terre. Donc on va aller voir l'ancien. Et on va se laisser là. Ah, on peut pas utiliser les objets quand on est comme ça, juste l'épée. Donc lui on s'en fout. Salut toi. Ouais. Tu as trouvé le mât de la Terre. Pour ton âge, il te faut une force et un courage remarquable. Pour trouver le prochain élément, il te faut te rendre au mont Gorgol. Là-bas, tu rencontreras Melta. C'est le seul mini-niche capable de réparer des épées. Tu pourras sûrement enfonger l'épée mini-niche avec ses restes. Je vais le prévenir personnellement. Tu peux partir, l'esprit tranquille. Passe par ici, c'est un raccourci pour la sortie de la forêt. Merci pour tout, l'ancien. Anyway, bien. Allons pour le mongongle. Yo. Ok, donc si on revient ici, on va devenir grand. Qu'est-ce qu'il y a ici? Eh, tu regardes un rose de chapeau. Tu ne sais pas où il vient? Le mec qui nous a aidé les ronces de terre. J'en étais sûr, j'ai entendu parler de toi. Je suis Belta, un inventeur de la famille de l'équipe de Toulon. Ça doit être dur de retourner en ville après Scénery qui voit clairement. Pardon. Vous recevez un sac de bombes. Ah yes, c'est génial ça. Ça c'est génial ça. Yes, on est redevenu grande. Kisou. Quand les ailes de vent t'accompagnent, porteur de la force sacrée. Qu'est-ce que c'est? Ça a explosé. Gamin, regarde là, l'endroit où il y avait la stèle. Moi, c'est dans le symbole sur le sol et je vais dire un truc, ce symbole. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Mais ferme-la alors. Ah, il y a un truc devant. Je ne pense pas que ce soit ça. Oh putain, il pose les bombes à la Bomberman. C'est-à-dire qu'on peut pas faire de plays, genre on peut les lancer. Bon, ce qui est sûr, c'est que je sauvegarde. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Je vous remercie d'avoir de suivre ce let's play. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être au courant de la prochaine vidéo. Et bien entendu à mes réseaux sociaux si vous voulez savoir un peu plus sur mon actualité. Ciao !